Hola! Bien le bonjour! Bienvenue! Bienvenue sur ce nouveau live. Contrairement à ce que vous pouvez voir, je suis épuisé! Je suis complètement décalqué. Je suis HS. Je suis bon à jeter aux orties. Si vous ne connaissez pas cette expression, vous êtes fort jeune. Ou c'est moi qui commence à vieillir. C'est possible. C'est possible. Bon, on continue. On continue, on continue, on continue. On ne s'arrêtera que lorsque nous l'aurons fini. Enfin, pas forcément ce soir. Mais on continue à jouer à Unravel. Unravel, je vous rappelle qu'on est sur PS4. Je crois que ce jeu existe aussi sur PC. Je suis quasiment sûr. Xbox, je sais pas. Je ne sais pas, tiens, Xbox. C'est un jeu suédois qui a déjà un certain nombre d'années. Que j'ai déjà fini. Mais il y a. Bah, y a. Attendez. Il n'y a pas la date sur les trophées? Voilà. Le dernier trophée que j'ai eu. Le meilleur trophée que j'ai eu, c'était en 2016. Donc j'y ai pas joué depuis. Pas tout à fait 6 ans, mais. Ça date. J'espère que vous allez bien. Donc je vous rappelle, un live, un niveau. Si jamais le niveau dure pas longtemps, eh ben on fera autre chose. On fera autre chose. Donc on va lancer ça. Ah, si jamais ça marche. Toujours des petits bugs qui arrivent à droite à gauche. Toujours assez agaçant. Par exemple, j'ai l'impression que vous n'aurez pas le son. Ce qui est dommage. Parce que la musique est très belle. Ah, vous l'avez. Allons-y. Bien sûr, je vous rappelle qu'on continue le jeu. Bon, un système de toute façon de niveau. Alors, chaque niveau débloque des souvenirs et des images du passé. Alors, je pensais qu'il restait deux niveaux, mais à voir comme ça, je pense qu'il y a encore la place pour trois. Hein. En fait, chaque petit morceau de laine tricotée représente un niveau qu'on a terminé. Et donc, on peut, voilà, regarder les photos du passé. Très poétique comme jeu, en vrai. Très poétique. Alors. Ah bah d'ailleurs, je viens de remarquer que la photo là, on avait qu'une partie à droite, et là maintenant on a un petit peu plus. Allez, première difficulté, on va aller chercher le cadre photo qui nous amène vers le niveau. Car on a beau être une petite pelote de laine, on est quand même... Voilà, on voyage, on voyage. Voyage à travers le temps, l'espace. Hop là. Alors là, c'est pas celui-là. Voilà. Dans le trou. On vient pas de le faire dans le trou? Je sais plus. C'est lequel qu'on a fait? On va réessayer. Je sais plus si c'est celui-là qu'on vient de faire. Enfin, qu'on vient de faire, qu'on a fait au précédent live. Ah non, non, on l'a pas fait ça. On suit en fait l'évolution des enfants de la vieille chez qui on vit, qui d'enfants deviennent un peu plus âgés, puis adolescents. Et là, ça commence à devenir un peu dark. Plus il y a une araignée, dégage l'araignée. Ah, c'est. J'avais oublié ça. D'habitude, tous les niveaux, on voit beaucoup plus loin. Et là, on est vraiment proche. Ah oui, j'allais dire, c'est pas comme ça tout le niveau, ouais, non. Parce que sinon, comment va-t-on faire? Ouais, ça sort la glissade, ça. Hop. Hop, 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 hop. On voit que notre petit personnage a peur. Hop, 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 putain.
Ah, je me souvenais pas, m'a fait peur ce con. Roulez lentement, bordel. J'ai bientôt plus de laine déjà. Bah, comment je fais, il n'y a plus de laine. Alors, j'ai dû louper, voilà. Parce que oui, au fur et à mesure qu'on avance, on se détricote. Et donc, on perd de la laine. À un moment, on est bloqué. Ce qui est assez bien pensé. Ça permet de mettre en place un système de checkpoint, en fait. Ah, souvenir. Souvenir de gens évacués par la police. Pas terrible comme souvenir, ça. Hop là. Alors. Ouais, mais même si on fait ça, on ne sera jamais assez haut. On peut grimper là. Ah bon, en plus, on est complètement coincé là. En plus, je redécouvre le jeu, donc je redécouvre aussi les difficultés que j'avais pu. Voilà, j'allais dire. Il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Voilà. Non, là on peut pas, là on peut pas, là on peut pas. Hop, voilà. Bon, les objets sont jamais là par hasard. Ah oui, bah faut, ouais. Il faut faire un trampoline. Hop, voilà. On va y arriver. Et voilà. Alors par contre, on aura quand même pas vraiment assez de laine. C'est de la laine, ça? Oui, voilà. Heureusement. Ah. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il doit bien y avoir quelque chose. Ah non, il n'y a rien. Ouais, c'est étonnant. J'aurais cru qu'il y aurait un secret. Les secrets, en fait, c'est des petites pièces tricotées optionnelles. Hop, oh, je pensais que j'avais été présomptueux, mais ça va. Hop, 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 hop. Toujours faire attention, parce qu'en plus, ils ont eu la bonne idée de mettre des dégâts de chute. Donc si on tombe de trop haut, bah ça le fait pas. On arrive dans la partie dégueulasse, là. Que l'ambiance du jeu nous... Dégage-toi! L'ambiance du jeu nous montre bien, d'ailleurs. Bien dégueulasse. Des éclairs partout. Ah, on a plus de laine? Bah, où est-ce qu'elle est, la laine? Hop, hop, hop. Ah. Hop là. Voilà, faut aller chercher la laine, on y va. Merci bien. Hop là, voilà. Est-ce qu'on aura assez de laine? Ah, encore un autre souvenir. Ah ouais, non, c'est vraiment la pollution, là. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, clairement, il va falloir la faire passer par au-dessus. Hop, avanti. Pour pouvoir grimper donc ici. Voilà, très bien. Alors, ah oui, ouh là là. Ouh là là. Hop, 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 hop. Et voilà. Très bien. Hein? Ah non, 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 ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Non! Ah oui, parce qu'il n'y a pas de barre d'énergie. Hein. On meurt. Hein. Bon, allez, on recommence. Bon, là, clairement, c'est moi qui ai mal joué. Hein. J'aurais pas dû mourir à cet endroit-là. Ça n'était pas mon heure. Normalement. Allez. Alors que marche. Parce que du coup, faut le faire en deux temps. Voilà.
très bien. Et là, maintenant, on se cale ici. Non, arrête de... Voilà, c'est le perso qui fait chier, là. Là, c'est le perso qui fait yesh. Quand le jeu est contre vous, pas grand-chose à faire. Allez, on continue. Vous voyez la musique un peu... Pas triste, mais... un mélange de tristesse et un peu de... d'agacement. Je ferais pas mieux de me mettre juste là. En fait, juste là, ça peut le faire ou... Ça se tente, hein. Juste là. De toute façon, aucune seule façon de le savoir. À mon avis, c'est pas la bonne. Voilà. À mon avis, c'est pas la bonne. La question, c'est combien de fois on va devoir mourir. Hop, 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 calme-toi. Non, je pense qu'il faut redescendre là où on était tout à l'heure. Et que le personnage arrête de grimper. Il m'énerve à grimper alors que je lui demande pas de grimper. Ou alors, faut redescendre jusqu'ici. Ah, ça pourrait être une solution de descendre jusqu'ici. Ce serait peut-être plus simple, mais... je sais pas si le baril va pas trop vite. On va le tester. On va le tester. En vrai, ce serait peut-être pas mal. Bah voilà. Ouais, c'était mieux de descendre ici en fait. Il y a un petit bout de laine, j'ai vu. Très bien. Ah. Ça sent la pollution. Ça s'entend là. Bah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bonhomme? Oula, ah oui. Ah, il y a un secret là, mais comment on fait pour l'atteindre? Oh, tant pis. Tant pis. Hop, 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 hop. Eh ben, c'est comme ça qu'on fait pour l'atteindre. Voilà. Allez, toi, on va te pousser. Je sens que tu vas être utile. J'allais dire, j'ai bientôt plus de laine, là. Hop là. Ouais, donc c'est par là-bas, bien sûr. Hop, très bien. Bien joué, ça, Gontran. Hop, 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 hop. Un petit peu présomptueux. Voilà, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? J'aime pas trop bien voir ce gros machin là. Qu'est-ce qu'il me veut avec ça, lui? Ah, ouais, d'accord, faut faire passer ça, ok. Je comprends ce que tu veux, jeu. Je comprends. Y'a rien d'ailleurs dedans? Non. Hop, très bien. Hop, allons-y, c'est parti. Pour flotter, j'imagine. Ah, c'est dégueulasse. Oulala, oulala, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là? Je pourrais jamais atteindre là-haut. Bah ouais, ça va pas. Ça ne va pas. J'aurais dû faire tomber la bouteille. Ah bah, elle est là-bas, la bouteille, tiens. Ok. Tant mieux, quelque part. Voilà, bah écoute, tombe, du coup, bouteille. Je pense que c'est un petit peu l'idée. C'est dégueulasse, hein. Hop, ok, jusque-là, tout va bien. Et une fois que je suis là, je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, faut faire passer la bouteille de l'autre côté. Ah merde.
Bah là c'est mort, hein. Je suis obligé de mourir. Je suis obligé de mourir, je peux pas ramener la bouteille de l'autre côté. Je peux rien faire là. Non. Non, 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 non. Ah bah je suis pas mort. Y'a rien pour s'accrocher de l'autre côté à gauche là, on est d'accord. Hein. Y'a rien. Hein. Là je peux pas grimper, ouais donc... Peut-être si j'arrive à me balancer. Eh tu te balances, et je me balance, et nous nous balançons, c'est... Oui. Hop, 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 hop. Ah. Ouais, faut pas se louper là, parce que sinon je tombe entre les barils. Hop, 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 hop. Très bien. Ok. Et un petit secret, c'est marrant qu'il soit aussi... Ah j'allais dire aussi facile à atteindre, mais bah non en fait. Le truc pour bien te... Ah il y a un petit secret, tu peux pas l'attraper. Oula. Et... Pourquoi ce bout de bois il s'est enlevé là? Ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, bah ça sert à rien de le ramener. Hop, voilà. Ok. Jusque là, tout va bien. Hop, 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 hop. Ouais, j'allais dire, ça pue l'arnaque, ça. Cassez-vous. Alors, je vais être obligé, là. Ça va me tomber dessus. Non. Putain, la forêt, elle est morte, quoi. Ok, continue. J'ai pas trop bien confiance là. Hein. Comment veux-tu que je passe ça? Ah oui, j'allais dire, il y a un truc qui doit se passer parce que là... Oula. Oh, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Voilà. C'était pas cool. Ok. Mais en plus... Hop, voilà. Ça, c'est bon. Et derrière. Et derrière, comment on fait? Ah oui, d'accord. On fait comme ça. Ok. C'est pas de tout repos, hein. C'est marrant, j'étais persuadé que dans le jeu, à un moment, il y avait un boss... Il y a assez peu de boss, hein, pour le coup. Mais où c'était un corbeau. Je sais pas pourquoi. J'avais ça en tête. Ah, et toi, là, je peux pas te... Non, je peux pas t'attraper. Toi, tu vas me servir, voilà. Très bien. Merci. Ouais, j'imagine que c'est par là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il y a bien quelques... Ah, oh là, hop, 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 le petit courju, là. Alors. J'allais dire, est-ce que j'ai bien fait, en fait? Je sais pas si j'ai très très bien fait, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée, Gérard. Hop, 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 en plus il se... Hop, c'est bon. Ah. Ah. Faut que je ramène le petit... Le petit carton, là. Mais je peux, je peux pas me faire électrocuter. Bah ouais, si, forcément. C'est un peu con, ça. Ah, je recommence là en plus. Allez. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux l'amener là-bas direct? Ouais, mais là je pourrais plus grimper du coup. Je ne pourrais plus grimper, enfin, il me semble. Hein.
Ouais. Bon, il faut procéder par ordre. Parce qu'une fois que je serai attaché là-haut, je pourrai regrimper là-haut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Faut le voir comme ça, ok. Donc là, je m'attache, je pourrai donc y revenir, et toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas, parce que sinon, tu vas t'emmerder. Ok, très bien. Ah non, je peux pas y retomber. Ah, oh, c'est mal foutu, ça. Ça, c'est très mal foutu, ça. Pardon. Je suis attaché, je devrais pas avoir le souci, normalement. Parce que clairement, c'est bien ça qu'il faut ramener, hein, donc... Je peux pas regrimper. Ah bah si, voilà, j'allais dire, ça m'étonnait. Hop, alors toi, du coup, on t'amène là-bas. Très bien. On va même te mettre direct dessus. Et voilà. Donc nous, on y retourne ici. Voilà. Allez, branche-toi, Coco. T'as le look, Coco, c'est très bien. On récupère un petit peu de fil. Voilà. Hop, je sais que tu te détaches. Voilà. Hop, très bien. Et là, faut pas se louper parce que sinon, faut tout recommencer. Allez, on y va, là. Hop, très bien, voilà. Et hop, le checkpoint. Parfait. Ça pue l'usine désaffectée quand même, hein. Pardon. Ah, un secret. Eh ouais. La nature est morte, mec. La nature est morte. Bon, on va choper le secret, hein, tant qu'on y est. Hop, voilà. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire de toi, petit casque? Parce que là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Peut-être rien à faire de ce casque, hein, tout simplement. Ah bah si, voilà. Non, d'abord là-bas. Hop. Hop. Voilà. On va pouvoir faire monter le casque. Ok. Ah, mince. Mince. Bon, on va te faire redescendre, petit pote. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que cette grosse masse là-bas? Allez, on y retourne. Très bien. Ah, c'est juste pour ça. Bonjour Zoetrex. Bienvenue. J'espère que votre journée n'a pas été trop pénible. On est dans un niveau tout pollué. C'est tout dégueulasse, tout sale. Alors, à mon avis que là, faut faire ça. Vous y êtes encore? Quelle drôle d'idée. Bon, il n'y a rien pour s'accrocher. Alors peut-être... Non. Non, non plus. Bon, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça qu'il faut faire. Elle bouge, cette caisse? Bah, bien sûr qu'elle bouge. Bah, bien sûr, bah, voilà, c'était ça, tout simplement. Tout simplement. C'est pas pénible? Si c'est pas pénible, c'est le principal. Toujours pénible de travailler quand c'est pénible. Alors, est-ce qu'on va conduire une grue? Il semblerait bien. Hop, voilà, parce qu'on était presque tout nu.
Y a pas quelque chose par là-bas, y a rien? On regarde, on sait jamais, non. Fin de prod, donc tout ce qui se met en place, on voit le jeu exister, ça... Ah oui. Quand on voit le travail aboutir, c'est toujours quelque chose d'agréable. Comme quand on fait une blanquette. Qu'on voit la blanquette se dessiner, on est content, on se dit qu'on va bientôt manger. Allez! Boum! Voilà! On détruit tout, on casse tout. La pelote de laine a une puissance incroyable. Ah oui, non, je suis attaché là. Hop. Va, t'enflamme pas trop quand même. Alors ici, on détache, on n'a plus besoin. Bonne. Bah oui, la blanquette. Ah! Comment est votre blanquette, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça, tout c'est pollué là. Tout dégueulasse. Alors. Je le sais pas, je le sens moyen ici. Qu'est-ce qui me veut? Que me veux-tu, le jeu? Je sens que tu me veux du mal. Ah bah il est là le truc, dans le casier. C'est pas ici qu'il y a l'oiseau qui arrive. C'est ici je crois. Ouais voilà. J'allais dire je suis sûr que dans le jeu à un moment il y a un oiseau qui nous casse les pieds. Gros corbeau, dégage! Ça va voter Jadot à coup sûr. Ah bah là avec ce live on est un peu obligé hein. Ah, ça se finissait comme ça, celui-là. Oui, alors voilà. Je pensais qu'il restait deux tableaux. En fait, il reste trois. Il reste trois. Bon, ça fait quoi, une demi-heure? Bon, écoutez, on va se le lancer. Hein. On va se le lancer. Parce que finalement, vendredi, je ne fais pas de live. J'avais oublié... Que les roses sont roses. J'ai oublié que je t'ai déjà pris. Home Raider Farage Betradas, pardon pour mon accent. For Nanmark. Ça me semble assez clair. Je pense que fallait pas y aller. Et comme on est une. Oula, comme on est une pelote de laine très courageuse. Reviens, saloperie de volatile. Regardez-moi ça, là. Alors, j'attends votre commentaire, Zolotrek. Je suis sûr que vous avez quelque chose à dire sur l'aspect de ce personnage en costume. J'attends. Je sais que ça va venir. Je le sens dans votre œil. Voilà, j'en étais sûr. C'est en Suède, Zolotrek. Ça ne peut pas être Manu. Vous vous fourvoyez. Bon, alors attendez, parce que là, est-ce qu'il y a quelque chose à ramener? Bah oui, voilà, il y a quelque chose à ramener, bien sûr. En Suède? Sur un terrain pollué comme ça? J'ai du mal à y croire. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Ah, on va encore aller dans le trou, là... Alors, si je vais là, c'est pas par plaisir. Voilà. Bon, on va le laisser tomber. J'ai vu qu'il y avait un secret en dessous. Je voulais voir si j'arrivais à le choper. Mais bon, on va pas... Hop. Je travaille alors une autre fois. Je travaille. Hop. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? À chaque fois que vous arrivez, je meurs, hein. Pourquoi il s'est pas accroché? Ah d'accord. Allez, cliffhanger, c'est parti. Hop là. Hop. On se calme. Que se passe-t-il par ici? Hop, ok.
Lisa Manu ou Cliffhanger? Cliffhanger, j'imagine. Ouais, j'aimais bien aussi. J'aimais bien aussi. Oui, ça m'étonnait aussi que vous vouliez revoir Manu. Alors, voilà, on va y aller mollo. J'aimais bien Cliffhanger. Bon, c'était très. Voilà. Pas de surprise dans ce film-là. Hop, j'ai été con. Oh là là. Pourquoi j'ai dit que je faisais un deuxième niveau? Ouais, bien mené. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un film bien rythmé. On s'ennuie pas. Je suis pas forcément fan de la mort au début pour conditionner un personnage. Bon. Scénaristiquement, ça se tient. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon. Non, je suis trop loin. Mais pourquoi? Comment ça se fait que je suis trop loin? Stallone, il l'aurait réussi, ça, vous voyez. Ouais, voilà. Après, c'était très hollywoodien à l'époque de conditionner le personnage hyper badass en lui créant un traumatisme. Ils aimaient bien faire, faire ça. Ah, hop, 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 dis donc. Je croyais que j'y arriverais pas, là. Toujours le... Alors, ça a été d'ailleurs assez... La caricature était sympa dans... Cette idée de la blessure du héros dans... Ah mince, c'est dans quel film qu'il y a ça? Alors bon, ils l'ont pris dans le OSS 117, Rio ne répond plus, où le mec, voilà, il y a eu un accident de trapèze. Mais je sais pas pourquoi le film qui m'est venu, c'est Last Action Hero. Mais je dois me tromper. Je dois me tromper, je le sens. Je grimpe ici, mais ça sert à rien. Bah, je sais plus. Mais c'est quoi déjà la faiblesse du héros dans Last Action Hero? J'arrive pas à me remettre. Ah si, l'enfant qui meurt. Il perd son fils, voilà. C'est ça. Il n'arrive pas à sauver son fils. Mais voilà, c'est très... Ouais, c'est ça. Le tueur à lâche. Très hollywoodien, du coup, de l'époque. Oh, merde. J'ai bouffé mon micro. Ah non, je reviens tout là-bas. Ah non, c'est bon. En vrai, il est assez chaud ce passage-là. Hein. On dirait pas parce que je joue comme un dieu, mais c'est pas si simple. Alors, je dois tomber où? Je dois tomber sur la barrique là-bas? Schwarzenegger, qui est d'ailleurs excellent dans Last Action Hero. Ah merde! Non, faut aller là-bas, d'accord. Oh, c'est chaud, dis donc, là. Schwarzenegger qui joue le anti-héros. Moi, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très, très sympa. Je sais plus qui fait l'acteur... Enfin, qui est l'acteur qui fait le méchant à l'œil de verre. Mais il est aussi très, très bon... Finalement, le plus mauvais dans ce film, c'est le gamin. Il joue... Bon, c'est un gosse, hein, mais il joue pas... Il joue pas hyper bien, hein, faut avouer. Pourquoi il y a de la dynamite, là? Hop là. Oui, c'est ça. C'est le mec qui joue dans Amadeus. Mais pareil, ça me... Ça ne me revient pas non plus.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi tu tires pas dessus? T'as plus de cordes? Oh, j'allais dire, il y aurait pas un petit truc là-bas? Il y aurait pas un petit quelque chose ici? Ah bah oui, bah tiens. Ouais, non, son nom m'échappe aussi, hein, je... Il ne me reviendra pas, c'est certain. Oh là là là, ça sent pas bon quand il y a des cailloux qui tombent tout seul. F. Murray Abraham. Ah bah écoutez, là, le nom me dit rien, pour le coup. Ah, il y a des blattes. Bleh. Elles veulent me manger ou c'est moi, là? Ah. Elles veulent complètement me bouffer. Bon, regarde ce que ça fait quand elles me bouffent. Hein. On est obligé. Ah, ce bruit, c'est dégueulasse. Ah, saloperie. Avance. Ah bah non, c'est bon. Ouais, mais comment qu'on fait là? Je vais jamais pouvoir passer. Bah ouais, comment je fais pour passer ça? Faut tirer le peut-être le œil de verre Charles Dance. Ah bah non. Vous voyez le nom me dit rien. Ah, j'allais dire je suis en train de m'éloigner, ça va pas. Ce bruit des blattes là, ça me c'est dégueulasse. On dirait le film Mimique. Comment je fais pour passer là? Je peux pas passer là. Ah bah si, tout simplement. Allez, coup de lumière, dégagez les blattes. Bim! Allez, dégagez. Sale bête. Ouais. C'est peut-être pas le bon plan quand même. Hein. Parce qu'elles sont là, elles attendent. Tapis dans l'ombre. Bah ouais, non, ça va pas. Ça ne va pas. Il est dégueulasse ce niveau. Bleh. Oh non, je suis tombé. Ah bah je suis mort. Hein, ouais. Je suis tombé. Pas tombé ici, hein, c'est mort. Hein. Hop, hop, hop. Ouais. Queen Lannister, Charles Dance. Et ça bouge pas, non? Alors, comment faire là? Parce que c'est bien gentil, mais comment on fait, du coup? On doit pouvoir aller chercher la chaise? Non, elle est trop loin la chaise. Bah oui, non, c'est trop loin là. Le père du nain, dans quel film? Oui, mais alors là, moi je n'ai pas vu Game of Thrones. Donc je ne peux pas. Je n'ai pas la ref. Bah ouais, non, ça va pas, je suis trop loin là. Mince, j'arrive pas à bien comprendre ce qu'il faut faire.
Parce que bon, la lumière fait fuir les cafards, ça d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le ramener par là, lui? Non, bah non. On peut pas. On peut pas le ramener par là, lui. Je pense qu'il faut ramener la chaise, mais... Sauf que la lumière, elle est trop loin. La lumière est trop loin. Là, je vais me faire bouffer par les saloperies, quoi. Gardez ça. Toi, tu peux pas te rapprocher un peu, non? Non. Il faut peut-être donner de l'élan à la chaise. Non, c'est... on n'a rien donné du tout, là, comme élan. Parce que là, ils sont là, je vais me faire bouffer, c'est sûr. Ouais, ça me fait bouffer. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh bah non, là, non, là, c'est dégueulasse. Ah, mais il faut que j'aille sur l'interrupteur là-bas. Bah oui, oh crétin. Je suis bête des fois. Voilà. Et là, avec l'autre lumière, on va pouvoir ramener là, la chaise. Voilà. Voilà. Ah non! Ah non, là c'est pas juste. Bon, on va y arriver à ce niveau. Hein. Bim! Hop, hop, hop! Voilà. Bah oui, non. On va essayer de la pousser à un max. Hein. Là, normalement, ça devrait être bon. Bonne ambiance, hein. Ouais, ouais, j'aime pas du tout, je trouve ça dégueulasse ce stage. Tiens, bim! On va essayer de pas faire n'importe quoi, on va aller de l'autre côté où il y a encore de la lumière. On va pousser un petit peu, voilà. Et là, normalement, ici, on peut tirer, voilà. Très bien. Non! Putain! Décor intérieur est mieux maîtrisé, pense, trouver. La zik est moins chiante. Ouais, bah, elle est plus, entre guillemets, tandax, quoi. Hop, 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 j'ai allumé, hein. Allez, dégagez. Ouais, c'est vrai aussi. Pour le coup, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi. Hein. Bon, normalement, je peux... Ouais, c'est bon, là. Ouais. Ah, c'est ce bruit, c'est immonde. C'est accroché, qu'est-ce qui se passe? Vous faites l'exigeant, vous? C'est étonnant. Ouais, ça devrait être bon, là, non? Oh, non, mais si je fais n'importe quoi aussi... Ouais, ça devrait être bon, là. Hein? Voilà! Pouf! Ah, je pensais qu'il y aurait de la poussière, tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut... Ah, oui, d'accord. Ok. Allez, lève-toi.
Allez, lève-toi encore un petit peu. Bon, ça doit être bon là, non? Ah, on est obligé de repasser par là, d'accord. Ben voilà. On y arrive. Et le v'là. Ah, sale gueule. Oh là là, mais c'est pas fini ce niveau, il finit quand? Oh. Oh. Bah ouais, mais comment je fais? Je peux pas courir ni rien. Ok, là je suis safe. Allez, on se dépêche. Cours, petit bonhomme, mais j'aurai jamais assez de laine. Y a un truc pour s'accrocher là-haut, non? Allez, on se dépêche. Dépêche-toi, 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 allez, pop, 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 pop. Non, pop, pop, voilà, très bien. Ok, on se dépêche, par là-bas. Oh non, mais comment veux-tu? Comment veux-tu? On peut pas y arriver. En plus, je vais par là, je sais même pas s'il y a un bout de laine par là. Mais... Et on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Hop. Ok. Hop, on se dépêche, on se dépêche. Ok. Hé. Oh, on peut pas s'accrocher là. Oui, voilà. Merci. Bon, je sens que ça va être pénible cette histoire. Allez, on se dépêche. Ouais, j'ai trop tardé, j'ai trop tardé, j'ai trop tardé. Ouais, voilà. Putain, c'est à la seconde, hein. Faut pas se louper, quoi. Ouais, je serais peut-être mieux d'aller retourner en bas, en fait. Alors là, non. Allez, on y va. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, putain! Hop, on y va. Oh putain, c'était juste là. Hein. Là, vu la distance, on n'a pas réussi tout à l'heure. Hein. Hop, on y va. Dépêche-toi! C'est pas possible. On peut pas réussir. Dès que ça frappe, faut y aller quoi. Dès que ça frappe, hop. Ah bah non. Ah, il y a des orages qui sont entre guillemets, ils vont pas à la même vitesse. Ah, attendez. Un orage. Un éclair. Ok. Le deuxième, il arrive vite ou pas? Ah, il arrive vite le deuxième. Ouf. Alors, et là, ça donne quoi? Éclair. Bah, faut pas se... Bah, si, je pense qu'il faut sauter, mais... Faut pas se louper, quoi. Voilà. Là, vous voyez, si j'étais parti là entre les deux éclairs, c'était mort, quoi. Alors là, il y en a un. Là, j'aurais eu le temps. Là, je pars pas parce qu'à mon avis, il y en a un autre qui suit. Voilà. Autre, après le troisième, ou faut attendre deux? Alors, un. Deuxième arrive vite, normalement. Non, je peux y aller après le troisième. Un. Là, j'ai pas le temps. Deux. Après le troisième, j'y vais. Ah, là, c'est parti. Hop. Ouh. Sauter, baf. Ce serait Mario, je dirais oui. Mais là, vu le personnage qu'on a, bah, je dis non, parce que...
Ok. Oh, j'aime pas trop bien ça. Oh, j'aime pas trop bien ça. Je te suis, petite ampoule. Voilà. On était ma... Oh là là. Ah oui, je me souviens de ce niveau. Oh là 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 là. On va mourir plein de fois. Là déjà, on est mal. Alors, où est-ce que j'ai loupé le truc? Ah, c'est là-bas. Alors, regardez, il faut descendre et monter pour éviter les gros trucs électriques, là. Il faut monter et descendre de la corde. Donc là, il vaut mieux que je remonte. Pour pas me faire griller par celui tout en bas. Voilà. Wow, wow. Ah non! Voilà. Vous voyez? En vrai, j'aurais dû monter... sur la machine sur la droite là-bas. La roue crantée, j'aurais dû monter là. Ah bah on peut pas y monter. Bah voilà. Bah c'est pour ça que je l'ai pas fait alors. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Bah, normalement c'est bon hein. Ouais, ça va. Alors ensuite... Ensuite... Je vais pouvoir l'éviter celui-là ou pas? Ouais... par contre, le truc cranté, là, il va pas me broyer? Non, très bien. Hop, hop! Ouais, mais là... Ah ouais, mais là, je... Oh. Mon Dieu... Ça va être long. Je vous avais dit qu'on allait mourir une paire de fois. En vrai, j'aurais peut-être essayé de me balancer pour essayer de choper un autre truc, là. Il y en a un autre ou pas? Ouais, il n'y en a pas, 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 voilà. On fait pas le con, on fait pas le con, José. Ouais, c'est entre les deux qu'il faut se balancer. Ça commence à devenir technique, là. Alors là, n'importe quoi. N'importe quoi, le grippin direct. Vous allez doser, ouais, ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Parce que là, il faut que je reste en hauteur. Ah, c'est ici que j'aurais dû me lancer, en fait. Ah bah non, non, parce que j'ai rien. J'ai pas de... Voilà. Donc là... Wouhouhou! T'es pas de tout repos, celui-là. Hop. On reprend le taxi. C'est parti. Non! Je veux que tu ailles là. Voilà. Allez, tu restes là. Jusque là tout va... ouais, je sais pas si tout va bien jusque là. Ah merde! J'ai mis du temps à voir qu'il fallait que je me balance. Là, je peux toujours pas me balancer. Là, je peux toujours pas me balancer. Voilà, c'est quand il y aura le petit retour vers la droite. Et là, je vais pouvoir lâcher un petit peu de lest. Voilà. Alors, lui, normalement, je peux grimper. Ouh! Oh, 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 bah dis donc, tu m'avais caché ça. Je
je peux aller vers la droite ou... Oh oui, bah j'aurais dû aller vers la droite. J'aurais dû. Mais bon, on avance. De toute façon, c'est par là parce que sinon on revient en arrière. Ah merde, j'ai été trop vite. Pourquoi c'est encore fonctionnel cette machine là? Franchement. Bon, alors et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, faut que je le pousse, ça, non? Ouais. Hop, reviens par ici. Ah, bah dis donc, j'avais pas vu ce petit bitonio. À quoi il me sert? Comment je fais pour le bloquer? Ah. Comment je suis censé faire ça? Est-ce qu'il revient tout seul? Il y a un truc à... Ah oui, il y a un truc à faire là. Reviens! C'est dans la tête de la mémé qui vous déteste. Elle nous en aura fait voir, hein, cette mémé. Hein. Bon, c'est pas par là. Ouais, c'est pas par là. Alors, comment on fait pour coincer? On peut rien faire, là. Ah si, j'avais réussi à le tirer un peu, là. Voilà. Et là, ça devrait pouvoir le faire normalement. Voilà. On y arrive. Sacré mémé là. Tout ça pour un petit truc tricoté en laine. Bon, continuons. Oula. Ok. Hop, très bien. Ah, ça y est, on arrive au nid. On arrive au nid, je le sens. Il est là. Tu vas avoir peur, tu vas avoir peur de moi. Tiens, voilà. Bon, comment on fait maintenant? Qu'est-ce que c'est? Oh, il s'est battu, regardez. Regardez Zootrex, il y a Manu qui se bat. Alors, je sais pas contre qui il se bat. Contre Poutou, peut-être? Avec Mélenchon? Il a pris un coup de vieux, Mélenchon, là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouton-là? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai débranché un truc? Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Qu'est-ce que je dois faire avec ça, du coup, moi? J'aurais peut-être pas dû le débrancher en fait. Ah! C'est sans fin ce jeu. Hein. Et y a pas un petit secret là vers le bas? C'est bizarre qu'on puisse descendre. Bah non, y a rien. Rien du tout. C'est le second tour des présidentielles. Bah j'aurais pas. Mais Manu il était en train de foutre une raclée là. Faut que j'arrive à aller en haut. Ah, faut que j'accroche. Hop, 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 hop.
Alors, je t'accroche. Voilà. Très bien. Et après, je vais pouvoir te tirer. Voilà, c'est bon, il a accroché. Très bien. Voilà. Vous voyez, on y arrive. C'est les économies d'énergie, ça. Il faut faire des économies d'énergie. Alors du coup, on les fait. Ah, par contre, baisse-toi, tu peux plus te baisser. Bon, tant pis. Voilà, donc là, c'est bon, je peux m'accrocher. Hop là. Ça y est. Et voilà. Ça risque d'être le cas au final. Oui, il y a de fortes chances. C'est un petit peu joué d'avance. On a beau voir des sondages qui évoluent tout le temps. Oh, ça se resserre. C'est un petit peu joué d'avance. Hein. Et bah voilà. Et ça, c'était qu'un seul stage. On a fait deux niveaux pour un seul truc. Ça veut dire qu'il reste encore deux niveaux? Oh là là, c'est sans fin ce jeu. SAC. Les sauveurs sont devenus les pillards. Leurs promesses étaient vides et leurs méthodes toxiques. Maintenant, les jeunes partent pour le sud et les vieux restent sur place pour panser les blessures. Ah voilà. Gruvenstangs. Salaud. Donc un site d'enfouissement de déchets toxiques et on l'aura deviné. Comprend rien, mais si on comprend. Les enfants se sont battus, mais la nature est morte, du coup ils s'en vont. Les jeunes vont chercher du travail ailleurs parce que là, tout est mort. Et du coup, mamie, bah, elle reste toute seule. Des barbelés. La nature dans des barbelés. En Suède, je crois qu'il y a pas mal de mines de métaux, il me semble. Voilà, donc les eaux polluées. Les poissons meurent. Et stage suivant. Alors attendez, un stage. Je regarde combien de stages il reste. Un stage. Deux stages. Ah, il reste 3 stages. Oh là là. 4 stages? Mais non. Il reste tant que 5? Ah merde, j'étais persuadé qu'on pourrait le finir cette semaine, mais ça va pas être possible. 5 stages. Merde. Ah oui, la petite photo qui se complète là petit à petit. Oh, il reste 5. Oh là là. Pouh. Bah pour aujourd'hui, ce sera tout. Hein. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Ce sera tout. Et ah bah mince, ça chamboule un petit peu mon programme cette histoire. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Parce que en gros, bah ouais non, j'aime bien faire les choses dans l'ordre, finir un truc avant de commencer un autre. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Que vendredi, je ne peux pas. Demain, donc demain, on refait du Unravel. Ouais, j'avais fait la parenthèse witness, c'est vrai. Mais là, c'est pas une parenthèse qu'on va faire. C'est complètement pas une parenthèse qu'on va faire. Bon, jeudi, on continue. Unravel. Vendredi. À la limite vendredi, ouais, mais ce sera tôt, donc non. Vendredi, rien. Samedi. Samedi, bah, je ne sais pas. On peut aussi bien faire un long play Unravel, hein, mais ça risque d'être un peu long. Non, on va faire ce qui était prévu. On va faire ce qui était prévu. Donc demain, Unravel. Samedi, long play, je sais pas encore à quelle heure. Je sais pas encore spécialement à quelle heure. Mais long play sur un jeu.
Et Unravel, je pense, du coup, reviendra à l'occasion, peut-être par petites touches, quand on aura envie de changer les idées. Je pense que c'est bien comme ça. Permettra d'alterner un petit peu, mais concrètement, le prochain jeu va nous prendre au rythme auquel on joue, il va nous prendre, il va nous prendre tout le mois d'avril, hein. Certainement même une partie du mois de mai. Parce que celui-là, par contre, on ira au bout. On ira au bout. Eh oui. Eh oui. C'est un long jeu. C'est un long jeu. Donc, il n'y a pas à tortiller du cul. Ça a intérêt d'être bien. Bah, de toute façon, si c'est pas bien, on arrêtera. On arrêtera, puis je finirai le jeu en off. Je ne sais pas si c'est un jeu qui se prêtera beaucoup à des lives, mais voilà, on testera. On verra tout de suite. Ah non, mais attendez, Zolotrex, si jamais c'est chiant à regarder pour vous, on jouera à autre chose. Hein. Je suis en train de voir que sur Unravel, mon meilleur trophée a été obtenu que par 6,4% des gens qui l'ont fait sur PS4. Dis donc, pas mal. Donc ouais, on va faire ça. Donc demain. Demain, bon, comme aujourd'hui, à peu près 19h. On pourra peut-être faire un live un petit peu plus long demain. Si on arrive à faire 3 niveaux, ce serait bien. Donc demain 19h, vendredi repos et samedi, je déciderai de l'heure demain soir. Mais samedi, ouais, je nous vois bien arriver dans l'après-midi, hein. À mon avis, que ce serait bien un truc du style 15h. Je le sens bien comme ça. Ouais, vous aurez fini de bosser. Et d'ailleurs, je pense que lundi, on attaquera cash genre 16h30, quoi. Hyper tôt. Hyper tôt pour essayer de faire. Ah, vous bossez. Oui, vous... ah, bah voilà. Bah, du coup, ouais, vous êtes encore au bureau. Ah, tu veux, mais ça vous fait rentrer à quelle heure cette histoire? 20h11. 20h11, c'est indécent. C'est marrant parce qu'on en parlait avec des collègues des heures de travail parisiennes. Et je dis ouais, j'ai plusieurs contacts, moi, à Paris. Ils finissent le boulot, ouais, il est 19h30, 20h, pas avant, quoi. Et là, c'est la réaction systématique. Oh oui, mais il commence à quelle heure? Hein? Commence à 9h30, 10h, puis bon, le temps de boire le café, donc il travaille que l'après-midi. Moi, je dis là, ce jeu, ça, moi, je sais pas. Ça, je sais pas. Et puis quand bien même, ça fait quand même genre midi 20h, quoi. Donc c'est quand même pas mal. D'habitude, c'est 18h, mais c'est déjà pas mal, hein. 18h, mine de rien, on se rend pas compte, hein, mais 9h30, 18h, ouais. On est sur des horaires classiques, hein. Moi, c'est 7h30, 16h. Moi, j'ai fini le boulot à 16h. Je peux bosser plus, hein, mais je peux pas partir avant 16h. Et je peux pas commencer avant 7h30. C'est pour ça que je commence tôt pour finir tôt. Oui, c'est pareil. Oui, non, mais c'est ça, c'est exactement pareil. Malgré tout, vous avez plus tendance à dépasser 18h. Combien de fois sur vos lives, les personnes sont encore au boulot alors qu'il est 19h30, quoi? C'est quand même assez récurrent. Rien que pour ça, moi, je pourrais pas être parisien. Un truc qui est complètement débile. Ah non, non, on va finir après 16h, mais c'est bon, je ne peux pas. Je serais très bien en Bretagne, mais. Bon, pas de vie bureau, ouais. Après. Bon, après, chacun fait comme il l'entend. En général, j'ai tendance à croire que quand on finit le boulot à 20h, on aime aussi un petit peu bien ce qu'on fait comme boulot, quoi. Ouais, bon, Bifontaine bosse de chez elle. C'est pas évident de bosser chez soi. Moi, ça va que j'ai un système de pointage, parce que si je devais bosser de chez moi sans système de pointage, à 14h, j'arrête de travailler, quoi. Je commencerai hyper tôt, et à 14h, il n'y a plus personne. C'est intermittent. Oui, mais c'est pas grave, parce que j'imagine que votre candidat a une solution pour ces intermittents. Pour qu'ils deviennent salariés d'eux-mêmes. On se rapproche de la propriété tout de même. Hein.
Enfin bref, on va pas digresser parce que je sais que vous êtes. Voilà, je sais que vous êtes un puits sans fond sur ces sujets-là. Non, et ne faites pas de propagande sur mon live, s'il vous plaît. Vous avez de la chance que j'ai pas encore regardé le système de ban, parce que là, je vous aurais ban 10 secondes. Attention, elle est là, attention. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Une heure et quart, c'est bien. Oui, c'est le meilleur de son parti, ouais, c'est vrai. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à demain, si vous le voulez bien, aux alentours de 19h. Et vendredi, ce sera en repos. Une bonne soirée donc. Bon retour chez vous, Zolotrex. Attention sur la route, ne vous frottez pas trop dans le métro. Et puis, bah, à demain. Allez, ciao!